travers la planète. Alors, on se rend tout de suite à l'Assemblée nationale. Écoutez les réponses de M. Legault qui va justement s'adresser aux journalistes. Bonjour tout le monde. Bien écoutez, d'abord, content du voyage que j'ai fait à New York. Évidemment, là, le Québec est bien vu quand on va aux États-Unis. C'est pas juste à cause de moi. Je pense que les décisions qui ont été prises par les gouvernements, entre autres pour choisir l'hydroélectricité, bien, c'est quand même pas rien là, de dire que le Québec est premier sur 60 États et provinces pour le bas niveau de GES. Bien, c'est apprécié par tout le monde. Puis on a ajouté une pierre quand même importante, puis on a fait une inauguration. C'est le Québec va exporter pour 30 milliards de dollars d'énergie propre à l'État de New York. Donc, évidemment, là, comme on dit, oui, c'est payant pour le Québec, mais les États-Unis nous en doivent une. Là, on va beaucoup les aider à réduire leur GES dans l'État de New York. Maintenant, je suis revenu hier soir et j'étais moins content de ce que j'ai vu, entre autres à Montréal, les manifestations, puis une grande polarisation. Puis je trouve que ça ne représente pas le Québec. Les Québécois sont modérés et on n'a pas l'habitude de voir cette polarisation d'un côté comme de l'autre. Puis je comprends que c'est un débat important, le débat sur l'identité de genre, mais c'est un débat qu'on doit faire sereinement. On a pris position sur un des sujets, entre autres très clairement en disant il n'est pas question de transformer les toilettes dans nos écoles pour faire des toilettes mixtes partout. Mais il reste beaucoup de sujets à traiter et, entre autres, qu'est-ce que les enfants peuvent décider, qu'est-ce que leurs parents peuvent décider. Puis, pour faire le tour de la question, on va annoncer bientôt un groupe de sages. Donc, des gens qui vont regarder la situation, regarder tous les impacts, les sous-sujets là, du débat sur l'identité de genre, qui vont regarder aussi ce qui se fait ailleurs dans le monde, parce que c'est pas un sujet qui est unique au Québec. Et, bien, je fais un appel au calme là, des deux côtés. D'un côté, on a un devoir comme société de protéger des gens qui sont dans les minorités. Et de l'autre côté, bien, je peux comprendre des parents qui sont inquiets, des citoyens qui sont inquiets. Donc, il faut être capable de faire ce débat-là sans s'insulter, sans partisanerie. Donc, je fais un appel au calme et je me sens une responsabilité comme premier ministre là, d'être un rempart contre les extrêmes. Je pense que c'est une belle position qu'on a au Québec, peut-être contrairement à certains autres endroits dans le monde. C'est moins polarisé, les débats. On est plus modéré, puis on doit continuer d'essayer de rassembler les Québécois, même si on n'est pas toujours parfaitement d'accord sur tous les sujets. Pourquoi c'est si agressif, le débat, actuellement, selon vous, M. Legault? Bien, écoutez, les positions sont campées et j'aime pas ça. J'espère que c'est vraiment peu de personnes qui sont avec manque de respect puis de façon violente. J'espère que c'est des exceptions. Ce n'est pas les Québécois que je connais. C'est des policiers qui alimentent ça. Bon, écoutez, je ne commencerai pas à... Considérés comme des extrêmes, vous parlez des extrêmes, vous êtes le rempart contre les extrêmes, mais qu'est-ce que dans ce débat-là est, selon vous, les extrêmes? Bien, prenons l'exemple des États-Unis. Là. C'est vraiment polarisé. Là. Il y a de l'animosité. Moi, je ne sens pas ça. Puis, un de mes objectifs, même en créant la CAQ, c'était de dire, essayons de rassembler plutôt que de polariser puis de créer de l'animosité. Puis d'être, bon, il y a des bons, puis il y a des méchants. Non, c'est pas comme ça. Il y a beaucoup de zones de gris où c'est pas clair. Vous avez dit vous-même qu'il y a une grande polarisation, donc c'est parce qu'il y a des extrêmes au Québec aussi, là.
Bien, on a vu ça hier, entre autres à Montréal. Mais c'est pas le Québec que je connais, c'est pas les Québécois que je connais. Puis, faut pas se retrouver dans cette situation. Le gouvernement, passez le coup à des gens. Votre comité, vous voulez le créer quand? Ouais. Ça va être parallèlement à celui qui a déjà été annoncé par... Non, c'est le même. C'est le même. C'est le même. On va vous dire qui sera le ou la ministre qui va porter ce dossier-là. Et on va choisir un certain nombre. Je fais attention avec le mot expert, là, je dirais des sages là, qui vont bien examiner les deux côtés de la médaille, qui vont regarder ce qui se passe là. Mais ça devrait être prochainement qu'on va annoncer ça. Dans les écoles, parce que là, on dirait, est-ce que vous voulez l'enquêter? Tout débat sur l'identité de genre. Mais le Québec a déjà des lois et des politiques ministérielles à l'heure actuelle sur les droits des personnes trans et non-binaires. Est-ce qu'au terme des travaux du comité de sages, il y a de ces droits qui pourraient être retirés ou est-ce que le Québec pourrait revoir certaines lois? Bien, écoutez, le but, c'est que c'est un débat qui est relativement nouveau. Je pense qu'il y a beaucoup de Québécois là, qui se réveillent en disant « Oups, je n'avais pas vu venir ce débat-là ». Donc, ça vaut la peine de se poser des questions. Est-ce qu'on doit revoir certaines règles? Donc, ça va faire partie des responsabilités du comité des sages. Des politiques qui pourraient changer? Bien, écoutez, je ne veux pas dire « Ça serait-tu une loi? Ça serait-tu une règle? Ça serait-tu des consignes? » On va laisser au comité de toute la marge de manœuvre. Qu'est-ce qui a changé récemment, M. Legault? Vous craignez des dérapages actuellement. Est-ce que vous avez... Bien, hier, j'ai vu un dérapage à Montréal, les images que j'ai vues. Puis je trouve ça malheureux. Puis c'est pas ça que je souhaite au Québec. Mais comment ça s'accélère? Est-ce que vous avez peur que ça s'accélère? Les deux positions vraiment, vraiment campées d'un côté. Comment justement concilier ces deux positions-là qui, visiblement, lui, étaient vraiment campées? Bien, peut-être que les quelques personnes qu'on a vues hier avaient des positions campées, mais je pense que tout le monde doit mettre de l'eau dans son vin, puis on doit essayer de rassembler les Québécois, comme on l'a toujours fait. Est-ce que ça va être une bonne idée de donner des amendes aux itinérants qui arrivent? Parce qu'on a vu un texte ce matin qui disait qu'un itinérant, juste pour avoir quitté, a reçu une amende de 227 $. Évidemment, il n'y a pas d'argent pour payer ça. Ils vont aller en cours. Est-ce que vous pensez qu'après tout ce qu'on a dit sur l'itinérance, c'est encore une bonne idée de leur donner des amendes? Je pense qu'il faut se poser une question. Là. J'ai un petit peu de difficulté avec ça. Vous avez fait un coup de force dans Jean Talon, pardon? Legault, hier. Vous avez fait un coup de force, la CAQ, dans Jean Talon, hier. Là, à peu près tout le caucus est allé faire du porte-à-porte. Êtes-vous confiant? Est-ce que ça ne démontre pas une certaine inquiétude face au PQ, le fait de mobiliser l'ensemble des élus pour aller appuyer la candidate dans... Vous savez, moi, mon école, pour des partiels, ça a été le Parti québécois. Donc, quand j'étais au Parti québécois, les députés, puis les employés, qui sont d'abord des militants, devaient, sur leurs heures personnelles, aller aider à l'élection partielle. Donc, je pense que tous les partis le font. Donc, la CAQ n'est pas différente. Vous ne craignez pas du tout le Parti québécois dans votre... Oh, je n'ai jamais dit ça. Ce que je dis, c'est que je ne prends rien pour acquis. C'est toujours dur une partielle pour un gouvernement, parce qu'il y a des gens dans la population qui veulent profiter de l'occasion pour passer un message. Donc, c'est toujours dur une partielle pour un gouvernement. Est-ce que c'est le PQ, votre adversaire, dans Jean Talon, M. Legault? Je respecte tous mes adversaires. Pourquoi vous lancez un appel au calme des deux côtés, M. Legault? C'est quoi les débordements du côté des gens qui défendent les droits des personnes trans et non-binaires? Bien, écoutez, on peut le faire, mais de façon sereine, de façon respectueuse, pas de la façon dont j'ai vu où on s'injuriait hier à Montréal. Du côté des gens. Vous avez-vous un malaise avec ça, avec cette question-là, M. Legault, personnellement? Là, est-ce que c'est quelque chose qui atteint vos valeurs personnelles? Écoutez, on va regarder les pour et les contre avec un comité de sages. On va passer en anglais. Yes! Good afternoon. When the government recently has spoken about having this debate, having this committee, we've heard from trans youth saying that they're scared of getting even more harassment and of losing certain rights. What would you say to trans youth who are feeling unsafe in the province right now? Alors, au cours des dernières minutes, on a entendu François Legault commenter, oui, les élections partielles qui s'en viennent dans Jean Talon. Mais je pense que le sujet principal, c'était les manifs d'hier. Il dit qu'il ne reconnaît pas les Québécois dans ce qui s'est passé. Non, il a dit que les Québécois étaient modérés. C'est pas ce qu'il voit habituellement. Il a dénoncé une polarisation. Il dit qu'il comprend que c'est un débat important, évidemment, qu'il y a beaucoup de sujets qui restent à traiter. D'ailleurs, il va avoir création d'un comité d'experts, comité de sages, là, comme il les a appelés. D'ici Noël, a-t-il dit, là, pour évaluer tout débat sur l'identité de genre. En lançant un appel au calme également, il dit qu'il souhaitait être un rempart
contre les extrêmes. Alors, François Legault qui continue donc de s'exprimer devant les journalistes. Mais il va falloir vider cette question-là. Mm-hmm. Certains ont parlé d'une commission parlementaire. Lui, comme tu le disais, privilégie un comité de sages pour étudier la question, mais c'est certain que c'est une question qui va revenir dans l'actualité. On va terminer avec notre hot